Alors, il nous faut un moteur, deux super alliages, trois cobalt. Ouais. Nice. Et la barre de super alliage, comment est-ce qu'on l'a fait? J'ai pas encore vu ce truc à débloquer ou que ce soit. Enfin, je me connais, les amis, j'ai certainement très très mal regardé encore, comme d'habitude. Allez voir là, hop. Alors, est-ce que je vois quelque part ces barres de super alliage? Là, non. Ah ouais, en non. Plus, je savais pas que la fusée, ça... Oui, ça... Pour le truc, mais je savais pas que ça augmentait. Ouais, ça te fait un bonus de 1000% de chaleur. Ouais. Ah bah oui, si, t'as raison, Zoro. Quand on est ici au-dessus, on voit qu'il y a toutes des zones vertes. Ouais, hein. Ouais. Ah, tu me croyais pas en plus. Mais non, mais... Non, mais sans déconner. Je les avais pas vus, quoi. D'accord, d'accord. Oh. Alors, on a bientôt, enfin, je dis bientôt, 35 tonnes d'accélérateur de croissance T2, ça va déjà faire beaucoup. Si je me remets là-dessus. Écran de biomasse, écran information orbitale. Ah ouais, ouais, on en est encore très loin. Hein. C'est à 750 MTI. On aura les barres de super alliage. Ah ouais, il faut qu'on augmente... Ouais. J'ai lancé hein, le... Ouais, j'ai vu, merci. Attention à toi, ça va te tomber sur le paletot, mon gars. Ça arrive. Un deuxième. Dans l'eau. Un troisième. Oh là là, attention! Voilà, mais il y en a blindé qui tombe. Et c'est bien là, au moins ça tombe dans des endroits super accessibles. Oh! Ah, celui-là est tombé pas très accessible. Celui-là, oui. Encore un. Oh, sur le Nico. Bah non, dans l'eau. Voilà, il y en a qui tombent derrière les rochers ici, mais je sais pas comment on y va là derrière. Ok, c'est fini. Il n'y a plus qu'à récup. Ok, je serai... Ah bon, bah ça va, je vais récup ceux-là qui sont par terre alors. Ah, donc ça se peut qu'on ne les voit pas tout à fait au même endroit. Et moi, je peux les récupérer. Celui-là, je peux pas. Là, en dessous, il y en a un que je peux pas. Ouais, ok, GG. Il y en a eu là. Il y en a eu qui sont tombés là-bas. Bah non, c'était celui-là. Bah non. Il y en a qui sont tombés ici, mais je les vois pas. Ah non, c'est là-bas, devant. C'est ici devant qu'il y en a. Et il y en a deux qui sont tombés dans l'eau. Il faut regarder dans l'eau. Voilà. Hop là. Bon, l'avantage, c'est que ça brille, donc ça se voit. À fond. Ça brille à mort. Bon, ici, il y en a d'autres, mais que je sais pas prendre pour l'instant. Et qui sont cachés sous les débris. Quoique j'ai l'impression qu'il y a un cœur aussi qui est... Parce que j'ai qu'il y a un cœur d'uranium dans la roche. Et qu'on ne sait pas forcément tout prendre comme ça. Est-ce que plus tard on aura une sorte de foreuse ou... Quelque chose du genre. Ah là il y a de l'uranium dans l'eau. Ok, ah, niveau d'oxygène bas, pas bien. Niveau d'oxygène critique, bon, ben, je crois que je vais claquer une bouteille d'oxygène. Hein. Ouais, clairement, j'arriverai pas
J'arriverai pas. Voilà, allez hop, on continue à reprendre tout ça sans reprendre les algues, sinon on va être trop lourd. Enfin, pas trop lourd, mais on va pas savoir les stacker. Où est-ce qu'il s'est tombé l'uranium? Je crois qu'il était tombé ici, non? Ok, toi t'es là. Mais même dans l'eau, j'ai l'impression qu'il y a des... Ça devient vert. Check, on va reprendre une bouteille d'eau sur nous. Voilà. Alors on va en reprendre plusieurs, on va remplir l'armoire. Tac. Voilà. Réorganiser, on va reprendre une bouteille d'oxygène. Il va falloir qu'on reprenne du cobalt en masse pour refaire... pour refaire de l'oxygène. Hops, 3 barres d'uranium, ça c'est parfait. Alors qu'est-ce qu'il nous fallait d'autre pour faire le cœur réacteur là? 3 barres d'uranium, une poudre explosive. Ça j'ai mis là. Voilà. Une poudre explosive. Où est-ce qu'il est? Une bouteille d'eau et un super alliage. Réacteur nucléaire en plus, parfait. Donc là on va pouvoir construire l'appareil qu'on voulait faire tout à l'heure, donc le l'optimiseur de machine. Donc je vais juste le mettre en épinglé les amis, le temps de prendre toutes les ressources qu'il me faut. Donc il me faut ça, il me faut une barre d'uranium, donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tac, la barre d'uranium, voilà. Ah, il me faut une deuxième poudre explosive. Deux, un de cobalt. Tac, et deux de métal. Métal. Alors, ce qui est important ici maintenant, je pense que ça va être le chauffage ou la pression. Chaleur, on est à 5000. Pression, on est à 239. Ouais, on va monter la pression. Donc, on va prendre un fusible de pression. 500% en plus, voilà. Et on va se mettre près de nos foreuses. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, ça fonctionne comme ça. Ok, je l'active, t'es prêt? Ouais. Voilà. Ok. Ouais, donc ça fonctionne. Ok, super. C'est pas encore incroyable à comparer aux autres, on est à 5000, 5007, 6002. On est qu'à 579. La mousse, elle est en train de se faire gentiment, on est à 27%. Sur moi, j'ai plus rien. J'ai plus d'eau, j'ai plus rien. On va prendre 2 bouteilles d'eau ici. Tac, tac. Voilà, on va aller récupérer un petit peu les bouteilles d'eau qui sont là-bas en bas. Voilà, tac. On a pris quelques bouteilles d'eau. On va prendre un peu de cobalt pour se faire de l'oxygène. Est-ce qu'il y en a sous l'eau? Du cobalt. On n'en voit pas. Donc à mon avis les ressources ont tendance à disparaître petit à petit quand elles sont sous l'eau. Ah, là-bas il y a du cobalt. Ça fera une bouteille d'oxygène en plus. Ouais non, je pense pas que ça disparaisse hein, parce qu'il y a du métal, il y a tout. On va reprendre un peu de tout les amis pour refaire un peu le plein des armoires en même temps. Juste tenir l'oxygène et tout ça à l'œil pour pas reclaquer une bouteille pour rien. Hop, hop. Magnésium. Ici dedans. Ah, il y a encore un uranium, j'ai vu.
Voilà, un uranium, hop, magnésium. Il n'y a pas d'autre uranium. De toute façon, on le verra quand les rochers là se seront dissipés. Hop, cobalt, cobalt. Où est-ce qu'on en est? On est pas mal. Un peu de magnésium encore. Hop, cobalt. Je suppose qu'on va avoir d'autres moyens de faire de l'oxygène un peu plus efficace que ça. Voilà, inventaire plein. Allez, les amis, c'est parti. On retourne à la base. Oh. En fait, faudrait presque planter plus de aubergines, quoi. Ouais, il faut le faire. Il faut qu'on fasse des tubes pour planter plus d'aubergines. Sincèrement. Le problème, c'est qu'on en a beaucoup bouffé au début. Et donc on a bousillé le truc avec ça, quoi. Ok. Ce que je voulais faire, moi, c'était des bouteilles d'oxygène. Voilà, c'est parti. Pardon. Ok, l'oxygène c'est fait. Il faudrait qu'on fasse une armoire eau et une armoire oxygène en fait. Donc les super alliages, on peut les déplacer quelque part. On va les déplacer là, les super alliages, comme ça on a l'eau et... Bah, de toute façon il est vide. Hop là. Oxygène. GG. C'est une... de quoi ça? Toujours la même. Toujours plante, ok. Hop, hop, comme ça. Le but d'arriver à nos 35 tonnes. Ok. Dal, tac. Aluminium, on en a pas sur nous. Magnésium, il y en avait. Tan, oui. Cobalt, oui. Ça, c'est pas de l'iridium, c'est de l'uranium. Voilà. Hop là, pardon. Je me suis caché. Bah, donc j'ai. Ah, Oxygène. Voilà. Là, ce n'est plus que l'eau dans l'armoire qui n'est pas encore nommée. Il y a du L à alliage, hein. Je me trompe pas. Oui. Ouais, ok. Bah, c'est ici où il y a le fusible et l'engrais, mais bon, voilà. On en a plus. Non, on n'a plus de super alliage. Une, ça c'est bon. La bouffe, on va aller en chercher en haut. Hop là. Ah, du coup, j'ai déjà pris tous les trucs. Ok. Oui. Je me dis qu'on pourrait refaire 2, 4, 6, 8, 10, 12 tubes. Non ? 12 ? C'est peut-être pas déconnant. Bah. Il faut plein de cours, genre qu'on peut faire plein de tubes. Ouais. Ah, mais il faut de l'alu à mort. Et on en a à mort. Ok. Ouais, on en a encore pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, il en fait un d'alu par truc. Hein. Ouais, c'est un d'alu par truc. Le fer, il est là, donc il me faut 12 fers. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Ok, et il nous faut 12 bouteilles d'eau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, on va déjà en faire 9. Pas que je veux pas en faire plus, c'est juste que mon inventaire est full. Voilà. Hop. Ouais, on peut venir en planter, hein. Thank you.
Ah, j'en ai oublié un. Ça, il me faut des bouteilles d'eau, j'en ai plus. Hop là. Voilà. C'est où qu'il y a un trou? Ici. Voilà. Hop là. Et encore 3. Ah, il manque un aluminium et un de fer. J'arrive. J'en ai prévu un en plus. Un fer, un aluminium, voilà. Hop. C'est où? C'est l'étage tout de suite. Fond. Bah, c'est surtout qu'on met ça là alors qu'on a un biodôme. Hein. Alors je ne sais pas s'il y a un bonus sur le biodôme pour la croissance ou quoi, je vais aller voir. Biodôme, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que ça dit? Biodôme, biodôme, biodôme. Biodôme T2 génère de l'écorce d'arbre, oxygène, nanana, nanana, végétaux, ok, ça ne dit rien de plus. On s'est réimplanté dedans. Et le bio. Non, mais tu peux mettre les trucs en plus, tu peux rajouter. Et là, endroit parfait pour faire pousser des plantes et générer de l'O2. Ouais, ils disent juste que c'est un endroit parfait, mais ils ne disent pas que ça produit un truc en plus ou quoi que ce soit. Que ça produit un effet ou quoi que ce soit. Parce que tout ceci, tu peux aménager en fait. Hein. Tu peux mettre des tubes, etc. Comme j'ai fait là-bas avec les armoires. Ouais. Hop, tant que je suis là, je vais récupérer les écorces que ça a fait. Voilà. On est à 12 tonnes et demie. Nice. Ouais, ça avance quand même bien. Mine de rien. Et on est déjà à 31%. Plus la terraformation va augmenter, plus machin va augmenter vite aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que, comme Titus Confion me disait tout à l'heure, il y a des astéroïdes qui ont pété de l'autre côté de la montagne. Le problème, Titus, regarde, c'est que je peux pas monter au-delà d'un certain niveau. Toi, même si je veux monter, là, je peux pas. Ça monte pas. Il y a des endroits où je vais pouvoir, hein, mais ça va être compliqué, quoi. C'est pas vraiment fait pour. Allez, allez. Sauf que Billy avait vraiment son problème. Parce que là, je suis au-dessus, je peux pas les prendre. Ouais, pareil. La montagne, on mettrait. Ah, ici ça monte, ici ça monte, ici ça monte. Ouais, ok, je suis au-dessus. Parfait. Bon, maintenant, c'est pas vraiment fait pour. À mon avis, on doit pas pouvoir venir au-dessus des montagnes comme ça. Oh, regardez, les amis, comme c'est vert ici. Ah, je vois l'uranium ici qui est tombé. Je vais vite aller chercher l'uranium. Ah ouais, non, c'est clairement pas fait pour. Hein. Ouh là là, je suis bugué dans les textures et tout ça. Secours. Ouais. C'était vraiment pas le bon plan. Ouais, non, clairement pas. Je suis en dessous des structures. Si je meurs là, les amis, j'ai pu... Ah, c'est bon, j'ai pu revenir. Ouais non, donc Titou, pas bonne idée. Mais par contre... non, c'est pas par là que je vais aller. Je vais aller chercher de la bouffe. Je vais aller par ici. Hop, là, on va prendre quelques petits haricots. Ça, c'est du soufre, haricot. Tac. Voilà, un haricot, une courge. Voilà, ça m'a mis full. On va faire ça. Et ce qu'on va faire pour passer de l'autre côté... C'est qu'on va passer par la fameuse grotte, en fait. Tout simplement. Je suis désolé, hein, le bruit du jetpack n'est pas très agréable à entendre H24. Mais... Oh, mais regarde. En fait, en s'écrasant sur la montagne, l'uranium est tombé ici dedans. Là, j'ai eu de l'uranium, du coup. Dans la montagne. Ouais, donc en fait, c'est même encore plus simple. Et normalement, il est tombé, je sais pas où d'autre. Là-bas, voilà. Ok, c'est bon, j'ai tout le granium qui est tombé. Voilà. On est d'accord, il n'y en a pas d'autres, les amis. Vite un petit tour comme ça, vite fait pour voir.
Tant que j'y suis, je vais quand même prendre le cobalt, le magnésium. On va re-remplir un peu les armoires. Hop, aluminium. Ouais, je commence à super bien. Vas-y. Du coup, on s'est embêté entre nous à les faire. On a dû utiliser beaucoup de ressources, alors qu'ici, on a déjà beaucoup de ressources. Ouais, mais bon, c'est toutes des ressources de base, hein, donc c'est pas encore fort dérangeant. Ouais, non, c'est pas grave. Je suis en train de refaire le plein de ressources. Hop, hop. Bien tenir l'oxygène à l'œil, les amis. Hop, titane. Balt, silicium. Titane. Ah, inventaire plein. Ok, parfait. On retourne à la base. Par contre, j'aimerais bien voir un truc, parce que là, j'ai vu qu'il y avait de la glace, ici dans le fond, mais j'ai vu qu'il y avait un passage là au-dessus. Donc j'aimerais bien voir si on peut y passer, et ce qu'il y a là derrière. Bon, comme on l'a vu, quand on force un peu le passage, le jeu n'aime pas trop, mais voilà. Curieux. Iridium, j'en ai pas pris. Plante, non. Cobalt, oui. Voilà, ça remplit bien les armoires. Donc, titane, tac. Voilà, le fer, tac. J'en ai pas pris beaucoup, ça. L'aluminium, j'en ai eu deux. Magnésium, hop. Magnésium, il y en a plus tant que ça. Uranium, allez, on a presque une armoire full. Osmium, non. Soufre, il est où le soufre? Où est le soufre, les amis? Où est le soufre? Enfin. On revient pas à retrouver l'armoire de soufre. C'est l'armoire parce que tu l'as mise dans... avec les aubergines et tout. Ah oui! Oh là là! Oh là là! Ah oui, c'est là-bas que j'en ai besoin. Ouais, t'aurais pu la chercher encore longtemps. Tac, ouais. Le T3, c'est vrai que ça pourrait aider. Donc du coup, j'ai dit que je voulais aller voir ce qu'il y avait derrière la glace. Allez les amis, on va tenter le tout pour le tout. Juste pour le fun. Alors, on est dans notre petite grotte ici. On va jusque tout au fond. Tout au fond. Là, il y a de la glace. Là, j'ai vu qu'il y avait un petit passage. Est-ce qu'on peut? Non, on peut pas. Zut. Ah! Oh. Oh, c'est chaud. Non. Y'a pas un monde où on peut passer quelque part là, vraiment. Ah, si, voilà, y'a un monde où on peut passer. Alors, tant qu'on y est, hop, cobalt. Par contre, j'espère que je vais pouvoir revenir. Oh, c'est bizarre la grotte ici. Et c'est bien un endroit où on peut venir parce qu'il y a plein de ressources dedans. Métal, silicium, titane. C'est quelle ressource que j'ai dit qu'il n'y avait plus beaucoup? Ah, magnésium. Ouais. Hop. Ça, c'est la glace par laquelle je suis arrivé, on est d'accord. Hein. D'accord. Oh, c'est joli ça. T'as tous des cristaux blancs au plafond qui éclairent. Oh, ouais, c'est vrai, ça va être bien. Titane, glace. Ah, pas qu'au plafond en fait, au sol aussi. Balt. Silicium. Je vais commencer à manquer d'oxygène.
pas grave, j'ai deux capsules d'oxygène sur moi, oui. Dans le pire des cas, j'en claque... Enfin non, je vais de toute façon en claquer une, ça c'est sûr et certain. J'aimerais bien voir ce qu'il y a un peu plus loin dans cette grotte. Je vais reprendre le maximum de magnésium possible vu qu'il nous en manque. Ah, j'ai plus qu'un seul slot. Hop, magnésium, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette grotte? Est-ce qu'il y a des ressources inconnues? Là, pour l'instant, rien, rien, rien. Niveau d'oxygène faible, ouais. Ah, là, il y a un passage, arrivez-vous? J'arrive dans le désert, ok. J'ai pris blindé de super alliage. Charbon. Ah ouais? Ah, je l'ai trouvé. 7. 10, 12, 17, 20. Ah, un coffre. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre ici? Deux alus, deux uraniums. 24 super alliages. On va virer le fer, hein, les amis. On va prendre les deux uraniums qui sont là. On va virer le fer. On va prendre les deux alus qui sont là aussi. Tac, tac. L'iridium, on va virer un métal. On va prendre l'iridium. Voilà. Et autre chose de très intéressant dans la grotte ici, j'ai pas l'impression. Quoi ça? Balt. Ouais, non, ok, là on revient où on était. Il faut juste que je retrouve comment je retourne à la maison du coup. Oh là. Tu coins C. Ah, c'est bon. Comment est-ce que je fais pour repasser de l'autre côté maintenant? Ah, là il y a un trou. Non, c'est pas celui-là. Oh là là. Par là, et ensuite. Ah, par là au-dessus. Voilà. Ok, donc là, je suis revenu dans notre grotte. Oh, je suis pas sûr. Oh, jetpack T3. Nice. Allez, c'est parti, on va se faire un jetpack T3, les amis.